encercler et l'envahir avec des renforts. Oubliez. J'ai passé 3 jours dans ce secteur, planqué dans Big Ben, à tirer sur tout ce qui bougeait. C'est un piège mortel. Ah si, on a Tali, on a qui ne l'est pas. Idea. On va parler à Idea, après on fera Tali et après Anderson. Shepard, j'ai une question. Une petite ou une grande? C'est quoi cette voix? C'est important. Dans d'autres circonstances, ça ne le serait pas, mais... Vas-y! Calme-toi, Shepard. Dans cette lutte, les moissonneurs n'ont aucune raison de ne pas faire appel à toutes leurs forces pour nous détruire. Leurs troupes sont retranchées, et bien supérieures aux nôtres en termes d'armes et d'effectifs. Voici ma question. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va pouvoir atteindre le conduit? Parce que je ne rate jamais deux fois. Parce qu'on le doit à Tessia, et à tous les autres mondes. Notre victoire est loin d'être garantie. Tu as peur? Nos chances de réussite sont supérieures à tout autre projet présenté jusqu'ici. C'était pas ma elle question. N'a pas à avoir peur, c'est peur une robot. Non, je ne saisis elle pas n'a le pas but de sentiment. Il n'y a plus de place pour le doute, Idea. C'est simple. Tu comprends ce qu'on doit faire ou tu comprends pas? Je sais parfaitement ce que nous devons accomplir, Shepard. Les moissonneurs ont détruit des milliers de civilisations. Mais ils n'ont jamais détruit la nôtre. Et cela n'arrivera pas. Pas d'imprudence. Bien. Battez-vous intelligemment. On dépend de vous. Compris. Ok, on va parler à Tali. Tu ne peux pas avoir peur, tu es une machine. C'est presque l'heure du dernier. Tali. Vous allez bien? J'avais prévu de vous poser cette question. Shepard, j'étais avec vous quand je n'étais qu'une gamine en pèlerinage. J'étais avec vous quand vous vous battiez pour Cerberus. Quel genre d'ami serais-je si je ne vous aidais pas? Et vous n'avez pas répondu à ma question. Vous allez bien? Ça va. En fait, je vais bien. J'ai passé des mois à parler au conseil, aux amiraux, aux politiciens, pour arriver à ce moment. Plus de politique, ni de diplomatie. Rien que nous et eux, l'ultime combat. Non, mais t'es copain avec James ou quoi, là, pour utiliser aussi l'ultime gamma. Mais ce n'est pas pourquoi fini, t'as dit ça? Vous avez demandé un transfert? J'espérais une promotion. Je suis amiral après tout. Je vous ai rendu votre monde? Vraiment? Ça alors? Il est temps que je rende l'appareil. Ouais, rends ta pareille, sinon je ressuscite Légion et oh, ça va être différent. Et on finit avec Anderson. Commandant? Amiral? Je parcours juste le rapport. Ça donne quoi? Moins de 40% de marteau s'est présenté au rapport. Dites-moi qu'il en viendra d'autres. Quelques retardataires sont en route. Mais le gros de marteau est bien arrivé. On est prêt comme on ne l'a jamais été. Chaque instant perdu profite aux moissonneurs. Totalement d'accord. Chef de bataillon, rapport au QG. Ça a été dur de venir. Mais le pire de la mission est devant nous. Il faut traverser le cœur de la zone contrôlée par les moissonneurs, percer leur défense et atteindre le faisceau. Quel genre de défense? Tout le secteur est quadrillé par les troupes des moissonneurs. Mais notre plus gros problème, c'est le destroyer qui protège le faisceau. Est-ce que des renforts aériens peuvent s'en charger? Négatif. Des interférences. Je crois qu'il va falloir le déterrer. Ils ont tracé une saignée, à No Man's Land, à travers la ville. Il faudra le traverser. Il n'y aura pas beaucoup d'abris de l'autre côté, mais attendez-vous à une résistance croissante. Il faut approcher nos chars. Si on se place assez près, on aura une chance de détruire cette chose. Quelles sont nos chances? Ils nous attendent. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera un aller simple. Il n'y aura ni retraite, ni abandon. Nous avançons à tout prix. Entendu? Hurrah! Oui, chef! Johnson, Coates, vous êtes chargé de la coordination de l'artillerie. Shepard, je vous envoie là où la résistance sera la plus féroce. Mais comme par hasard, là il y a plus d'action. J'ai besoin de vous pour l'attaque du faisceau. Vous avez 1 minute avec vos gars. Choisissez bien. Bah, j'ai vu Kigarus, hein. La petite tape dans le dos. Pas trop fort, Anderson.
soldats. Dorénavant, cette guerre va vous faire découvrir qui vous êtes vraiment. Que vous soyez le frère, la sœur, le fils de quelqu'un, aujourd'hui, vous êtes un soldat. Les moissonneurs vous ont lancé un défi, et vous l'avez relevé. Vous avez choisi d'être ici. Vous êtes tous restés pour vous battre. La victoire ou la mort. D'une façon ou d'une autre, cette guerre prend fin aujourd'hui. Il n'y aura pas de seconde chance, et pas de place à l'erreur. Chacun d'entre vous doit être prêt à mourir pour la victoire. Faute de quoi, vous êtes déjà mort. Pas de pitié pour les croissants. Ils seront sans pitié. Soyez sans pitié. Combattez ou mourrez. Qu'est-ce qu'il fout là, Kotz, au fait? Y'a rien à foutre ici. Alors, bah... Javik et Garus. On y va. On retourne sur le champ de bataille. On confirme. Et on y va. Ah, bah, y a toutes les races, on voit des Krogan, des Cthuriens. En fond, on a vu ça. Des Asari. Non, c'est des Thuriens, j'ai rien dit. Tu sais qu'on a pas vu des Asari au sol. Bon, ça, c'est des zombies, c'est assez facile. Pour le moment. Grenade! Après, faut voir contre les cannibales, les maraudeurs, les exterminateurs, les furistes qui donnent. Voir les brutes. Elle est trop stylée, Garus, avec son casque, n'empêche. Alors, je pense que je vais être bien concentré, donc si je parle pas trop, c'est que... Boum, ça c'est déjà fait. Pas le temps de rien faire. Par contre, j'ai pas mes incendiaires. Alors. Hop. Ça c'est bon, on va recharger, prendre des munitions et on va descendre. Ah, il y a le Mako. Le Mako. Il est toujours là, c'est cool. On va le suivre. Ou pas. Il s'est déjà défoncé. Alors les cannibales, ils ont ils ont été boostés, ils ont leur petite aura rouge. À moins que ce soit leur effet fluorescent pour briller dans la nuit. Là ici j'ai vu... Non, c'est l'effet de glace. Boum. Ah, j'ai visé suite droite et suite gauche a explosé, d'accord. Alors, ah, munitions, on va faire comme tout à l'heure. On va se faire avoir. Comment on fait pour abattre un destroyer avec des chars? Les missiles Talix causent des putains de gros dégâts. Si vous le dites, fermez-la. Vous avez entendu l'amiral? Pas de retraite. Et ainsi qu'aux ors. On va s'occuper du psychosaure avant qu'il s'échappe. Ok. Il est mort, il va exploser. Attention les yeux. Et on a de la furie.
là, mais c'est la Fury qui m'intéresse. Encore un peu. Ok, c'est bon. Elle est muerte. Par contre, j'ai plus de munitions. On va nettoyer l'immeuble. Ah, des munitions ici. Ça, je prends, on va les diriger vers. Hop, il y a encore un derrière. C'est là-bas que je vais aller, on va s'occuper de lui. A pu. On est bon, on a recharge. Ah, des munitions, plein de munitions. Ça, c'est cool. On va ouvrir la porte. Encore des munitions. On a bien géré les deux brutes, c'est cool. Mais bon, dans ces cas-là, j'aurais plus aimé avoir les incendiaires sur le piranha, ça aurait été plus efficace, mais pas le temps de changer, hein, vous me direz. Quand il y a deux brutes qui vous cherchent comme ça, c'est pas évident, mais ça va, j'ai réussi à gérer, j'ai bien esquivé. Oui, bah on arrive, deux secondes. Eh oh, c'est toi qui t'occupes de deux brutes là-bas? Encore un, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas utiliser... Ah, page bas. Ok, ah, ils sont là-bas. Ok, ils avancent. C'est cool. On va recharger. Medikit, on va en prendre un. Alors, voilà, un deuxième Medikit. Là, ça fait d'XP parce qu'on est full. En effet, il est mort dans son sommeil. Ah. Ok les gars, ouvrez l'œil. Les bâtiments nous fourniront un abri, mais ça leur donne aussi une cachette. Bien reçu. Ça c'est vrai. Hop. On peut pas aller à droite, donc on continue. Sur la gauche, juste un maraudeur pour le moment. J'aime bien, c'est obligé de dire ça tout à l'heure, il y a quand même les cabines rouges à Londres. Hein. Alors je sais pas si dans le futur elles existeront toujours. Mais il faut dire que c'est une marque vraiment de Londres. Ah, c'est les cabines bleues qui n'existent plus pour appeler la police. Les police, les box police, les police box, à part dans le Doctor Who. Puisque c'est un TARDIS. Alors on gère ces... maraudeur. Ah. Bon, l'exterminateur, il fait mal quand même. On va s'en débarrasser, c'est fait. Il y a une brutasse qui arrive. On va péter avec les incendiaires, ça c'est efficace. Vu qu'elle est encore assez loin. Ok, ça c'est fait. On se fait submerger. Quelle est votre position? Oh, et merde.
J'ai besoin de munitions. Alors je vous dis, je suis assez concentré. S'occuper de lui derrière, on s'occuper de lui. Boum. Ah, il est pas mort. Pas encore mort. Ok. J'avique là, je fais ce coup cool. Là-bas. On avance petit à petit. Hop. Ici des munitions, et là. Ok. D'autres volontaires? Non, c'est bon. Hop, on prend le medikit, on est full en munitions. On recharge les deux armes, ça c'est cool. Continue d'avancer vers notre objectif qui est le rayon là-bas. Oh, c'est un joli tir ça. Je sais pas qui c'est Garus qui a tiré. Avec le fusil sniper, avec la veuve noire, le V8. La veuve noire, je crois que je lui ai mis la veuve noire. Donc c'est cool. On a fait un peu le fifou. On y retourne. Ok, c'est bon. On recharge tout ça. Donc là-bas, on peut pas y aller. Donc c'est bien par la porte, hein, on est bien d'accord. Donc là, à ce moment de l'histoire, je pense plus qu'il y ait des trucs à fouiller pour choper des nouvelles armes. Il y a tout plein. Je suis un peu trop loin pour lui. Ah oui, c'est lui qui m'embête en fait. Encore une brute. On a les munitions incendiaires. Il est encore loin. Il va focus Javik. Maintenant il est sur moi. On le finit au fusil à pompe. Ah, est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Est-ce qu'on peut aller par là? On peut pas aller par là. Donc Javik est toujours là. On va recharger tout ce beau petit monde. Et par là, c'est pas par là. Ok, on a ce qu'il faut. Ah, les munitions. Hop. Je peux passer par le côté. Mais c'est tellement classe de glisser comme ça. On va courir. L'esquive, elle était nickel. Ok. Ah. Ah, en mourant, il m'a touché avec ça et puis il a réussi à me mettre un dégât. Ok. Donc par là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Tout noir, ça va. On a des datapad.
Ils visent les abris, les navettes d'évacuation, les services d'urgence, les centrales électriques et les gens. Leur objectif est clairement d'anéantir la population. Nous devons modifier nos plans d'évacuation. Impossible de se fier aux procédures conventionnelles. Ça ne ferait qu'alourdir le bilan. Restez en petits groupes, faites sortir les survivants de la ville, dispersez-les autant que possible. Passez le mot. D'accord. Ok, bah tu m'étonnes, un truc comme ça, je pense pas que les plans standards d'évacuation soient très efficaces. Ah si, il y a des Asari. Des galériens, des Krogan, des Turiens. Donc des petits cariens là. Et là on a un mosson. Ça pue pute. Sur ce point-là, alors sécuriser la batterie de missile. Ok, on a vu un mort. On va sécuriser tout ça. Oh, il y a quand même une balle. Oh, c'est nice. Je me rappelle plus de celle-là. Par contre, ouais, il y a des ennemis un peu partout. C'est vrai, il y a des cannibales, mais j'ai souvenir d'avoir deux furies sur cet endroit. On va utiliser. Ah bah non, c'est bon. Commandant, vous m'entendez ? Quelle est la situation, Major ? Le faisceau interfère avec le guidage des missiles. On peut atteindre le destroyer, mais on ne pourra être assez précis pour l'abattre. Bon sang ! Idea, tu me reçois ? Oui, commandant. Des suggestions ? Je vais peut-être pouvoir utiliser les systèmes du Normandie pour améliorer les capacités de visée des missiles. Excellent. Je vais avoir besoin que vous ouvriez un lien vers le Normandie depuis les systèmes de missiles. Je m'y colle. Alors, voilà, c'est cool. Il y a juste appuyer sur une touche. Avec un clavier holographique. Et voilà. Je vous fais signe dès que j'ai adapté les systèmes de visée. Voilà une bonne. On va défendre tout ça. On verra. Marteau, ici l'amiral Anderson. Les forces Piou. Terrestres des moissonneurs font une percée. Tenez bon, protégez ces réservoirs jusqu'à ce qu'on puisse tirer. Ils sont là-bas. Vous avez entendu ? On se tient prêt. Les voilà! On continue, ce coup-ci on défend nos machins et derrière il y a le moissonneur qui tire. Moi je suis concentré sur ce qui se passe devant moi. Hop là, derrière. Ok, il y en a plus ici. Ah, on a entendu les furies. Ils ont détruit nos camions. On a été submergés. Votre flanc gauche a cédé. Ils se dirigent vers vous. Désolé, commandant. Attention, les gars. En voilà d'autres. Attention à gauche.
Ok, donc c'est la quatrième fois que je fais ce passage. Et oh, ils ont bugué là-bas. Et les furies m'ont un peu embêté. Un peu beaucoup même. Donc là on a eu les deux. J'avais pas vu qu'il y avait le missile hydre sur les autres essais. Donc c'est cool. Et on va ressusciter le copain qui est là-bas. On a fini avec ce flanc gauche. Ok. On va recharger tout ça. On va reprendre plein de munitions. Je vous programme les systèmes de visée. Les missiles sont parés au lancement. Ok. Vous avez entendu ? Allons-y. Au camion. Bah, commande des missiles. Let's go. Guidage des missiles amélioré. Je tire. Ça, c'est du gros missile. Hein. Il a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moissonneur est toujours trop près du faisceau. On n'a plus que deux missiles. Et on l'a à peine éraflé. Vous allez devoir laisser le moissonneur s'éloigner du faisceau. Et il s'approche. Et on va l'attirer. On est là. Il vient me chercher. On se rapproche de vous. Tenez bon, commandant. Tenez bon. Une nouvelle. Bah, je viens de me taper deux furies. Accrochez-vous, les gars. On peut le faire. Les ennemis arrivent. Ouais, encore des... Bon ça, les brutes, j'arrive à les gérer plus ou moins. On va quand même utiliser un petit medikit et on va mettre ok, on va mettre l'incendiaire. Hop là, je me suis trompé de touche pour sauvegarder. Ça va, on a réussi à gérer. Est-ce que je peux le reste? On va le reste vite fait. On va péter le psychosaure. Moi je vais me prendre aussi un petit soin. Ok, attention les yeux. Boum. Ah, il y a combien de brutes? 6, 7 brutes? Et des furies. Oh, des furies, il y en a 2. Thank you.
dessus, Idea. Allez, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre, et on active. Parce qu'il y avait beaucoup de trop de furie à mon goût. Très concentré sur le Nico, c'était au moins la quatrième ou cinquième fois que je refais cette partie. Shepard 3, moissonneur 0. Destroyer et neutraliser. Bien joué, Idea. Shepard, on se dirige vers votre position. Bien reçu. Shepard, par ici. Il y a des restes de la furie encore. Je suis soulagé, vous êtes là. C'était pas beau à voir. Ça empire. Évidemment. On a un rapport de Hackett. Plusieurs moissonneurs de la classe Sovereign, y compris l'Augure, ont rompu le combat avec épée. Ils viennent ici. L'Augure ? Pour l'amiral Hackett, c'est une chance de positionner le creuset. Mais il faut envoyer une escouade dans la citadelle pour ouvrir ses bras. Vite ! Même si on atteint le conduit, on ne sait pas ce qu'on trouvera en arrivant à la citadelle. Voilà notre mission. Identifier notre adversaire. Ok. Mettez-vous tous en selle. Passez-moi l'amiral Hackett. L'Augure, c'était celui qui contrôlait les récolteurs dans Mass Effect 2. Sacré bousin le creuset quand même. Tout droit pour trouver le faisceau. On court tout droit pendant que les moissonneurs tentent de nous tuer. Il faut juste que quelques soldats arrivent à passer. C'est tout. On savait qu'au mieux c'était un pari. Donnez tout. Peu de chance valent mieux que pas de chance du tout. La victoire ou la mort. La cible est en vue. Écoutez-moi bien. L'heure est arrivée. Pas le temps de finir. Merde. Ça, il a eu son permis, le gars qui conduit, on n'empêche.
Ils ont fait vite hein, quand même pour atterrir. Alors, on va s'arrêter là. C'était une belle petite partie. J'espère que ça vous a plu. On se reprendra directement là où on s'était laissé. Enfin, là où je vais vous laisser surtout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.